Ah oui, c'est marrant. Bravo, Tintin. Coucou, c'est Aya. Morgane, Mehdi et... Suivez nos aventures. Et... Merci. Il a dessiné encore? Oui. Il a dessiné sur quoi? Dessiné. Ah, sur les œufs? Oui. Dis-le non, ça se mange les œufs. Non, il y a sûrement ici. Oh, tous les jours, on aura la même réaction jusqu'au 24. Regarde, il n'y a plus besoin de taper. Juste, on fait... Attends, ah, tiens. Papa, t'as compris? C'est des chocholats qu'elle a. Des bébés, non? Non, pas des bébés. Elle dit quoi? Elle est tombée. Elle est tombée? Excuse-moi, je ne t'avais pas compris. Oui. La petite boîte surprise du jour. Un vernis à ongles. T'es contente, là? Oui. Mais là, t'as déjà du vernis sur les ongles. Montre ton vernis. C'est qui te l'a fait, ce beau vernis? C'est Nono. Waouh. Bah, on pourra mettre celui-là à paillettes. Montre. On pourra mettre celui-là à paillettes pour Noël, si tu veux. D'accord? Oui. Dis merci, tata. Merci, tata. Moi, j'attends des paillettes. C'est quoi? À oh, non. On a dit qu'on les mettrait à Noël, les paillettes. Waouh, la chance, hein. Il est dégoûté parce que pour lui... Il est dégoûté parce que pour lui, sa fille, elle doit pas avoir de maquillage ni de vernis. Ouais, c'est pas extrémiste. Oui, mais bon, t'es un petit peu comme ça avec ta fille. C'est juste qu'elle sortira de la maison à partir de 45 ans. Ouais, voilà. Et poupou de la voiture. Aujourd'hui, un peu en retard. J'ai pas passé une très bonne nuit. J'ai beaucoup d'insomnie, encore de contractions. Bon, lui, il a ronflé, même comme un quoi? Non, comme un porc, comme monsieur porc, comme Pumba. J'avais Pumba à côté de moi cette nuit. Donc là, on le dépose au travail. Je dépose Malia chez la nounou. Je vais faire mes prises de sang. Je vais faire 2-3 courses. À mon avis. Après, il faut déjà aller le chercher tôt parce qu'il a rendez-vous chez le médecin encore pour son mal de tête qui n'est toujours pas passé. Et puis voilà, puis je vous emmène avec moi. C'est parti! Bon, vous entendez, il y a un vent glacial encore aujourd'hui. Bien arrivé au CLSC, c'est là où on fait les prises. J'ai failli me tuer en direct avec vous. Je pense que je vais éviter de vlogger dans la rue. Sur le parking, je vais attendre à chaque fois d'être au calme. Parce que là, j'ai glissé. Bon, du coup, ça y est, j'ai fait ma prise de sang. Arrivée à 8h au centre de prélèvement. Sortie, il est 8h20. J'y suis allée, du coup, sans rendez-vous. Et super rapide. Bon, tant que je suis dehors, on va aller à Super C. Je suis déjà... il est que 8h20, je suis déjà au bout de ma vie. J'ai l'impression d'avoir fait une journée pas possible. Mais bon. Allez, c'est parti. On va aller magasiner, comme ils disent ici. On vous a pas encore fait de tour de Super C. Bon, là, je vais filmer vite fait. Et on vous fera une vidéo exclusivement sur le magasin Super C. Allez, donc petit retour de course chez Super C où j'en ai eu pour un total de 78,61 $. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, c'était des courses folles parce que j'ai quand même acheté de la viande. Alors, au niveau des prix, on est sur une baguette à 89 centimes. Là, c'est 2 pots de crème sûre, ce qui est la crème fraîche ici. Donc, les 2 pots étaient en promo à 5 $. Ça, pareil, c'est de la crème fraîche, enfin de la crème de cuisson. C'était en promo. Ça me revenait à 5,98 € les 2.
On a donc le beurre qui est en promotion à 4,99 au lieu de 6,50 $. Les yaourts Pat Patrouille de Malia qu'elle adore tant à 3,29 $. Bon, ça, c'est du concentré de tomate, 1 $. Là, j'ai réussi à trouver de la pâte feuilletée. D'habitude, c'est chez IGA. Et là, j'en ai trouvé chez Super C. Donc, j'en ai pris. Le coca, donc pour 24 canettes, c'était 10,49 $. Se rajoute donc 2,40 $ de consigne. D'où pourquoi il est vraiment important de garder à chaque fois ces canettes et les ramener au distributeur de consigne pour après avoir des bons d'achat. Donc là, on est sur un beau gigot d'agneau. Et en plus, je n'avais pas fait attention, mais il est halal. Et on est sur donc 11 $ le kilo. Donc cette bestiole-là, elle fait 2,234 kg. Donc ça m'a fait un total de 24,57 $. Donc ça, c'est pour Noël. Mais vu qu'il était en promotion, parce que d'habitude, c'est 17 $ le kilo, j'en ai profité. Là, pareil, donc j'ai pris un rôti de faux filet de bœuf. Il était à 15,41 $ le kilo. Et en fait, je l'ai pris comme ça, au moins je vais pouvoir, moi, couper des tranches dedans. Ça revient beaucoup moins cher que de le prendre déjà découpé. Donc, une belle petite pièce quand même, hein. Et un rôti, pareil, qui revient à 4,09 $. Donc, je pense que je vais le faire rôti à la moutarde. Donc, voilà ce qui est pour notre retour de course. Je suis finalement en train de manger mon fromage que j'avais tant envie, petite envie de grossesse. Et oh, comme de par hasard, Monsieur Mehdi est là. Non, c'est pour faire la vidéo. J'ai fait une erreur hier. Donc, je la rectifie. Oui, mais tu la rectifies quand mon fromage est là. Tu vas pas en prendre un bout par hasard. Donc, voilà l'entrepôt Costco. Je vais vous Je suis occupé. filmer vite fait. Fais pas genre, tu vas pas le Bon, on avait manger. déjà fait une vidéo qu'on vous met là. Je ne filme pas comme ça, moi je ne mets pas de course. Non, j'en mangerai pas. Je suis pas venue pour ça. Non. Je mange pas, je déguste. Allez, on a récupéré Yaya et on va encore magasiner, mais chez Dolorama. Là, on voit bien le gars de chantier. Tu veux acheter, c'est toi, des chaussettes Caterpillar? Oh, après, ça va au niveau du prix, hein. C'est pour ça, ouais, c'est pas cher. Sinon, il y a des filles là. Mais c'est vrai que c'est marrant, les Caterpillar. Ouais, mais il n'y a pas marqué Caterpillar dessus, ça qui est chiant. Parce Ah. Aujourd'hui, on a décidé de faire tous les rayons. Qu'est-ce que t'as vu encore? Une Ah. trousse avec les bulles. T'as pas besoin de trousse, c'est pas écrire. Allez, on avance. Malia, je l'écoute, on achèterait tous les rayons. Ah ouais. Elle veut tout, elle dit. Tu veux pas aussi des gants? Tu veux un marteau? Tu veux quoi? Ah. Est-ce que tu veux tout le magasin? Ah, On verra avec plus le tard. Père Noël. On va tous. Noël. Allez, petit retour sur nos courses chez Dolorama. C'est la première fois qu'on en a pour autant. Donc 68,23 $. Qu'est-ce qu'on a du coup pour ce tarif? Alors, on va commencer par les plus gros. Donc pour 5 $, j'ai eu deux papiers cadeaux. Un Stella, Pat' Patrouille et un Peppa Pig. Ensuite, 5 $, une étagère à chaussures. Une petite, mais après, je vais voir si elle est vraiment solide et au pire, j'achèterai une deuxième pour mettre au-dessus. 4,75 € par tapis pour qu'on puisse mettre dans l'entrée parce que là, l'entrée, c'est du n'importe quoi. Un rouleau d'essuie-tout à 1,50 €. Ensuite, on se fait des petits plaisirs. Donc, ça, c'est pour moi 2,50 $. Ça, c'est pour Mehdi. Alors, il y a très peu, hein, niveau drame. Et 3,50 $ quand même. Et le tout mini Toblerone, pour Mehdi aussi, 50 grammes à 1,50 $. Ensuite, on a pris des lingettes à 1,50 $. Ça, en fait, je voulais pour la maternité, pour mettre les produits de bébé, du liniment là-dedans, là-dedans mettre du gel douche, pour pas avoir à me trimballer les grosses bouteilles. Finalement, on a opté pour les filas. Que les Caterpillars.
Donc 4,50 $, parce qu'elles étaient plus chaudes. Et en plus, voilà, elles sont plus montantes. On lui a pris aussi des petits chaussons à 4 $. Gel douche de Malia, 5 $. Là, c'est des petites débarbouillettes, donc des petits langes. Pareil, j'en avais pas pris encore pour bébé. Des cotons, 1,50 $. Et là, bah, des, vous savez, les prises là qui sentent bon. 3,50 $ la prise, 5 $ la recharge. Donc ça fait un total de 8,50 $. Et là, des zips de congélation, 1,25 $. Voilà pour ce qui est de nos achats chez Dollarama. Il faut se dire, c'est comme chez Action. C'est pas cher, mais ça chiffre super vite. Et puis en plus, voilà, faut savoir que là, tous les prix, c'est hors taxe. Donc en soi, j'en aurais eu pour 50,34 $ hors taxe. Mais avec les taxes, du coup, rajoutées, ça nous a fait 68,23 $. Bon, et voilà. Simple, efficace. Et ça fait plus propre, plus chaleureux. Qu'est-ce qu'on a filmé ça? Montage vidéo. Toi, il lui reste... Je vais aussi mettre devant moi. Non, non, t'es un menteur. Il lui en reste 4. Et à la base, c'était mes bonbons. À la base, c'était mes bonbons. Tu posais devant moi exprès pour m'accuser. Menteur. Tiens, je monte la vidéo. Ouvre la bouche. T'as la bouche bleue, c'est normal. Il y a moi qui s'en moi après. Ah merde! Ah ouais, c'est à couleur. Tire la langue. Ouais, mais toi, tu manges tous les rouges, t'es malin. Bref. Bon, bah voilà, aujourd'hui, j'aurais été active. J'aurais pas accouché, j'aurais été active. C'est bien. Bah écoutez, j'espère que cette journée magasinage avec moi, bah vous aura plu. On aura fait du 2 en 1. Un haul alimentaire et un haul d'hiver. Et voilà. Tu veux quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Bah rien, pourquoi? Depuis quand tu me tiens comme ça? Je sais pas, j'ai un... Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Ça va être une improvisation totale comme d'habitude. Ah ouais, ah, on a oublié un truc de fou aujourd'hui. Je vous reprends dans 30... Pour vous, ça va être de suite. Et voilà, nous revoilà parmi vous. Et on avait un événement à fêter avec vous. Une bougie. Mais pourquoi une bougie? Pourquoi une bougie? Pourquoi une bougie? Je sais pas. Non, je sais pas. Parce que c'est un an de la chaîne. Un an qu'on a ouvert la chaîne YouTube. Certes, on a commencé à l'alimenter qu'à partir de mars 2023. Mais ça fait quand même un an officiellement qu'on a ouvert cette chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous de nous suivre dans cette folle aventure. Et tu souffles? Et voilà. Pourvu que ça dure. Donc on n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout s'abonner.